Ouais, salam alaikum. Malcolm Kim, franco-algérien. Voilà, je fais cette vidéo ce soir pour voilà, parce que je voulais vous dire que bientôt, voilà, je vais rentrer à l'hôpital et tout. J'ai une opération assez conséquente, donc priez pour moi. J'ai une opération assez conséquente que je vais faire et tout. Et puis je voulais vous dire que je serai pas trop présent, mais j'essaierai de faire des vidéos à l'hôpital et tout pour voilà, vous dire que tout va bien, tout ça, donner mes impressions pour les prochaines personnes qui vont faire cette opération et qui vont se faire opérer. Donc voilà, écoutez, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que dans la vie, on a des épreuves. Et chaque épreuve est différente à chaque personne, mais il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, garder le sourire et garder Dieu en soi. Et voilà, donc je voulais dire aussi aux gens que le principal de la vie, c'est toujours garder le sourire. Garder espoir et se dire il y a toujours plus pire que soi. Il y a toujours plus pire que soi et quand même nous ici en France on est quand même bien. Même si le système il est difficile en ce moment, si tout est compliqué, tout ça, mais on est bien par rapport à d'autres pays. On a quand même accès aux soins malgré tout ça. Donc voilà, je voulais dire qu'il faut toujours, toujours garder le moral, le sourire et il faut pas. Il faut pas perdre espoir dans la vie, c'est ça le plus important. Voilà, parce que on a des épreuves et ces épreuves sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour rien, ils sont là dans notre chemin pour voir comment on réagit, comment on fait. Il y a des gens qui vont galérer par rapport à d'autres et il y a des gens qui vont réussir à les gérer. Et Dieu, chez nous, Dieu, il nous met des épreuves pour voir comment on réagit. Pour voir comment on tient. Et après, en fonction du cœur de la personne, eh ben, il va plus ou moins nous aider. Voilà, donc moi je voulais dire à tout le monde, dans la vie, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Il faut se dire que si on a cette épreuve, c'est pas pour rien. Voilà. Donc voilà, je ferai quelques petites vidéos si je peux, bien sûr, si je suis en forme, si j'ai. Si j'ai la force, je vous ferai une petite vidéo par rapport à mon opération pour dire aux gens, pour dire aux gens qui vont subir cette opération, comment ça s'est passé, comment mes ressentis, comment je suis venu. Mais c'est vrai que je vous avouerai que j'ai peur. J'ai un peu peur, mais je me dis c'est pas grave. Ce qui doit arriver, pardon, ce qui doit arriver, ce qui doit arrivera, ce qui doit arriver arrivera. Voilà. Donc voilà, dans la vie, il faut se lancer, il faut faire les choses. Et puis je conseille à tout le monde, avant de chaque épreuve, de se dire, allez, Inch'Allah, ça marche. Voilà. Bon, sur ce, prenez soin de vous et abonnez-vous.